Bonjour mesdames, messieurs et personnes non binaires et bienvenue dans le 7e épisode de cette 2e saison dont n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. What ? On fait de l'impro ? Oui, c'est un peu le concept de l'émission. Merde. Bon alors, il ne sait pas toujours ce qu'il fait là, mais c'est pas pour autant qu'on l'aime moins. Hicham El Amoury ! Pardon, je crois que je me suis trompé de salle de bain. Elle rit quand Hicham fait des blagues, même si elles ne sont pas drôles. Et elle se demande parfois à quel jeu on joue. Ise Brassel ! Eh ben dis donc. Là, il se prend pas pour de la merde, Manu et Debert. Oui, c'est moi-même. Alors, est-ce que vous allez bien en ce lundi après-midi de sortie de podcast? Eh oui, et je trouve Hicham vraiment très drôle. Ouais, Manu, ok? T'as compris? Ok. Jaloux, larron. Oh non, arrête. Bah, tu crois vraiment qu'on va pas utiliser ça à la moindre occasion? Non, mais alors j'ai commandé. Une boucle de ceinture gravée Larron Forever. Attends, à quoi ? Une boucle de ceinture. Elle devrait arriver bientôt. Ça pourrait être vrai. Il n'y a qu'une seule raison, qu'une seule manière de le savoir. Attendre quelques jours et voir si quelque chose arrive à ma porte. Pierre public, si vous voulez. J'ai hâte d'attendre. Vous pouvez parier pour le résultat. Si vous avez raison, on gagne de l'argent. Si vous avez tort, vous perdez de l'argent. Pas mal. Il y a un concept. Alors, je suis très content de vous retrouver, cher public, pour ces 30 minutes d'émission, ces trois improvisations et tout ce fun, ce rire et ces belles surprises qu'on vous concocte pour encore un nouvel épisode. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec une improvisation que nous amène Ise. Oui, c'est l'abécédaire. Oh, notre prêtre. Attention, je vais l'expliquer super bien. Oh, attention, hein, tu t'es mis la pression, là, c'était une... Je sais, mais la dernière fois, j'ai vraiment foiré. Hicham et Manu vont faire une improvisation, mais à chaque fois qu'ils commencent une réplique, ça doit commencer par une lettre de l'alphabet et la réplique suivante par la lettre suivante de l'alphabet. Par exemple, ça commence par A, la réplique de Manu, et ben la réplique suivante d'Hicham sera par B, et ainsi de suite. J'ai bien fait ? Ouais, franchement. Franchement, pas mal. Merci, merci, merci. Il n'y a pas des petits applauses que tu peux me mettre Merci. J'aimerais remercier ma maman qui m'a fait un mind map pour pouvoir m'aider à présenter cette catégorie. Ok, et donc votre improvisation commencera à la lettre E. Au lieu de commencer à la lettre A, comme ça. Oh, okay. Mindfuck de ouf. On a un élément pour commencer. Oui. Vous aurez un mot. Chaise. Une fois de plus, on n'a rien préparé. Ise n'a rien préparé. Tu vois, on a chacun nos petits trucs. Ise oublie de préparer ses impros. Moi, j'oublie de présenter correctement. Manu oublie d'être sympa. Mais j'oublie presque jamais. Allez. Et chaise, abécédaire, c'est parti. Et là, tu vois, il y aura un porte-gobelet. Et quand on appuiera sur ce bouton, il y a des pop-corns qui chaufferont dans la chaise, comme ça, ça nous chauffera les fesses, et puis après, paf, ça sortira pendant qu'on regarde le film. Enfin bon, c'est pas pratique pour des toilettes, quoi. Gustave, tu comprends pas. Cette toilette, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Et du coup, cet emprunt, c'est pour ça que j'en ai besoin. Tu comprends, Gustave? Mais écoute, tu te rends bien compte que je ne peux pas te donner cet argent. Ton invention, elle est marrante, mais c'est un peu psychotique, quoi. T'en rends compte, hein? Et je sais que je suis ton frère, donc on se soutient dans la famille, on se serre les coudes, mais il y a des limites, en fait. Il y a des limites? Il y a des gens sur Internet qui sont prêts à acheter... Des tripes en machine à laver avec leur chien. Il y a des gens qui sont prêts à acheter des bigoudis pour mettre dans les cheveux de leur chien. Je m'en fous, en fait. Tu vois, là, c'est juste que ça fait des années que tu glisses sur cette pente qui t'amène dans cette espèce de trou béant. Et je ne peux plus te regarder dégringoler. Là, écoute, je te tends une main pour t'aider à t'en sortir. Mais il faut que tu reviennes. Car il a accepté, hein. Carl, il me donne déjà la moitié de la somme.
Mais bon, si t'as décidé d'être ce genre de frère qui est du côté de la raison et qui du coup ne soutient rien de ce que son cher petit frère essaye une fois de faire pour se sortir de la misère crasse dans laquelle le système l'a mis. Le Carl qui bosse à la KBC là? Le Carl? Mouais. Pourquoi ça te pose un problème que ce soit ce Carl-là? Non, mais tu vas pas aller chez cet arnaqueur. C'est un connard. Et en plus, honnêtement, leur plan d'emprunt ne ressemble à rien. Où tu vas chercher ça? Il est vraiment bien. Je veux dire, j'ai un remboursement à 20% sur 10 ans. Moi, je trouve qu'il donne la chance à un jeune entrepreneur, ce que toi, tu ne fais pas. Alors arrête de changer de sujet et donne-moi ces 50 000 euros. Parce que en fait, j'ai investi chez eux et j'ai perdu. Qu'est-ce que t'as investi, hein? Papa m'a fait une avance sur héritage et j'ai investi la somme dans, voilà, et je l'ai perdu parce que voilà, c'est une banque de merde, c'est une banque de merdeux, ce sont des amateurs, ok? Si papa t'a fait une avance sur héritage, il aurait dû faire pareil avec moi. Je vais aller demander à papa, il va me filer l'argent dont j'ai besoin. Et comme ça, je vais pouvoir inventer mon super siège de toilette chauffant à popcorn. Tu te dis bien que si tu ne l'as pas reçu, c'est peut-être parce qu'il ne voulait pas que tu l'aies. Enfin, tu vois. Disons que tu n'as pas vraiment donné des marques d'investissement. Un peu quand même, j'avais fait un schéma où je montrais que si je vendais, c'était combien? C'était 5000 toilettes les deux premières années, du coup... Vas-tu cesser tes conneries au bout d'un moment? Tu te rends compte que tu ne vas nulle part? On part là-dessus, voilà, je suis le petit frère. Et toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, hein, à part un endroit où t'égorges les poulets pour les vendre à McDonald's? Ok, c'est du commerce local, c'est local, ok? Il y en a qui disent que c'est juste de l'esclavagisme moderne à grande échelle. Hein? Il y en a qui disent que ce serait mieux de la fermer, ta boucherie, parce que comme ça, enfin ton abattoir, c'est même pas une boucherie, c'est un abattoir dégueulasse qui pue. Xavier, ferme ta gueule, ok? Ok. Tu peux pas parler comme ça du poulailler de la fermière, ok? Le poulailler de la fermière, c'est une institution de qualité, ok? Le poulailler de la fermière qui produit 300 000 poulets morts par an! Hein? Elle est belle ta fermière! Arrête, c'était pas 300 000, c'était beaucoup moins, ok? C'était de 222, enfin bon. Bref! J'ai pris des risques, ok? J'ai pris des risques avec ce... C'est le moment de rendre à la famille ce qu'elle t'a donné. C'est le moment de prêter à ton frère pour que lui aussi puisse réaliser son rêve. C'est ça le moment! D'accord. Enfin, viens, on va... Et tu verras, je pourrais te faire un bon prix, tu pourras en installer partout, ça va être vraiment super. Oh, j'ai vraiment hâte. Et puis tu vois, je t'ai pas montré le deuxième modèle. Il y aura des sièges avec des LED et... Merci, Van de la Pro. J'ai l'impression d'avoir zappé des lettres. J'ai l'impression aussi. C'est moi qui l'ai fait, parce qu'il y a vraiment un moment où je me suis fait... Attends. Il y a des fois... Où est passé le Z? Là, c'était l'autre. Ah, ok, je suis pas le seul, ok. Je suis pas sûr que tu n'aies pas été le seul. Ah, si ce n'est moi, c'est donc ton frère. Enfin non, pas mon frère, il n'est pas là, mais... En tout cas, rends-lui son prêt. Rends-lui son prêt, voilà. Quoi? Finance ma toilette. Si je lui prête, c'est pas moi qui dois les rendre, c'est lui qui... Vous voyez, je gère très bien mes finances. Mais je fais mieux l'alphabet que vous. Tous ici. Nous avons fait une haute école de commerce. Oui. La prochaine improvisation montrera justement mon haut goût pour les écoles de commerce et la littérature en particulier, puisqu'il s'agit d'une interview littéraire. Alors, après l'interview scientifique du mois dernier, Isha m'a dit « Mais ce serait trop bien qu'on fasse tous des interviews thématiques. Et alors, Manu, comme toi, t'as fait une école de commerce comme moi, bah toi, tu ferais de la littérature. » Et je fais « Ah ouais, trop bien. » Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé, j'ai amené dans mon petit cartable un livre que j'aime beaucoup, qui est assez particulier. Je vais vous donner le nom de l'auteur de ce livre et son titre, et vous allez jouer l'interview littéraire à la sortie du livre. Donc comme si
l'auteur. Alors oui, je vous laisse déterminer entre vous. Apparemment, c'est un nom. Et quoi et pourquoi ? À nouveau, si on ne dit pas qui gagne quoi, en fait, ça ne sert à rien. Je veux jouer. On est en train de jouer, le putain. Pierre papier ciseau aveugle est très populaire à Onarpe pour le moment. Je serai le journaliste. Ah non, mais t'as déjà fait, fait la scientifique dans l'autre. Ok, bah je fais l'auteur. Ok. Ah, très bien. Donc Hicham, tu seras Claude Régis. Ah. L'auteur. Ah, tu connais ? Ça va être encore plus drôle. Très bien. Donc, Hicham, tu es Claude Régis, auteur qui vient de sortir son dernier livre qui s'appelle L'Ordre des Morts. Eh ben. Voilà. Et Ize, tu joueras un ou une journaliste qui va interviewer Claude Régis à la sortie de son dernier livre. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse improviser et je vous ferai une petite citation et un petit truc après sur qu'est-ce que c'est vraiment le livre, mais finalement l'intérêt c'est pas ça. L'intérêt c'est que vous vous amusiez avec ce que je vous donne, donc L'Ordre des Morts de Claude Régis. Attention, vous êtes prêts ? Oui ! C'est parti ! Bonsoir mesdames, messieurs, jeunes gens et bienvenue dans Lettre à Lettre. Dans Lettre à Lettre, ce soir, nous avons avec nous... Je suis excité par sa présence, Claude Régis ! Hey, bonjour. Oh Claude, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Hey, merci, ouais, pour moi aussi. Nous avons tellement attendu la sortie de votre nouveau livre, L'Ordre des Morts. Ouais, ouais, c'est un livre sur lequel j'ai beaucoup bossé et je suis très content qu'il sorte maintenant parce que plus tard ça aurait fait chier, donc c'est bien qu'il sorte maintenant. Il fallait qu'il sorte et comme il est sorti maintenant, il ne doit plus sortir vu qu'il est sorti, et donc c'est très bien. Ouais. C'est deep ce que vous dites. Quoi ? C'est beau ce que vous dites, Claude. Ah, merci. J'ouvre un bouton de ma chemise. Claude, votre livre ne s'est vendu que pour l'instant à 5 personnes. Nous sommes tous très étonnés. Avez-vous une explication ? Je pense que déjà... Effectivement, c'est vrai, Claude. En tout cas, nous sommes, nous, les 5 lectrices, ravis de cette l'ordre des morts, ce lien aux mathématiques. Pouvez-vous nous expliquer ? Bah oui, en fait, je me suis demandé qui est mort le premier, qui est mort en dernier. Donc, mon travail était de reconstituer l'ordre de tous les morts, depuis les premiers morts jusqu'au dernier mort. Et le truc, c'est que c'est un peu une œuvre infinie, parce que les gens continuent de mourir. C'est marrant ça, hein ? Et donc ça veut dire que théoriquement je peux faire une série de livres infinis, ou alors c'est un livre qui ne se finit jamais, ou alors et donc ça recoupe l'archéologie, la paléontologie, la zytologie, la tautologie, tout ça pour faire une liste interminable de personnes mortes et dont tout le monde se branle. Oh, c'est vrai, Claude. Je ne veux pas spoiler nos futures lectrices, évidemment, et lecteurs, bien entendu. Mais il se trouve dans la page 36, la phrase qui dit « C'est toujours la faute de Gérard ». Je suis très intriguée par ce passage. Bah, alors, on ne le sait pas, mais en fait déjà, ça commence par la fin. Donc les derniers morts sont au début, ce qui fait qu'en fait, il faut rajouter... En fait, je vais peut-être faire des nouveaux feuillets pour les morts suivants et on les rajoute au début du livre. Donc, à la fin, il y a les premiers morts de l'humanité. Et donc, à la page 36, en fait, je fais une petite référence peut-être à la fin. Hein. Est-ce que c'est la faute de Gérard, le premier mort ? Ouah, pas, tout est sa faute. A priori, tout est sa faute. Donc, sans doute, le premier mort de l'histoire, c'est la faute à Gérard. Crétin de Gérard, putain. Crétin de Gérard, vous avez raison. J'ouvre mon deuxième bouton de mon décolleté. Oh, mais en tout cas, Claude. Ouais, ok. Si votre livre doit ainsi se démonter et se remonter, comment pouvons-nous avoir accès à ce livre qui ne fait que changer au final ? Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez ouvrir le journal, vous allez à la rubrique nécrologie et vous faites votre propre édition. En fait, ça c'est un peu du do it yourself, comme on dit, faites-le de vous-même et vous allez dans les librairies et vous demandez, c'est pour ça qu'il y a un titre. C'est pour que les gens puissent demander le titre et qu'ils aient le bouquin avec le titre. Donc vous allez dans la librairie, vous demandez normalement ça, ou alors vous me demandez et je peux essayer d'en avoir un. Eh bien, j'ai hâte de savoir qui est le prochain mort de l'humanité, Claude. Il faudra regarder le début du bouquin, mais pas le début actuel, le futur début. Évidemment. Ouais. Merci, Claude. Je vous en prie, rhabillez-vous s'il vous plaît, c'est très gênant. Pardon.
Bien. Je me demande qu'est-ce que... Alors, donc en fait, Claude Régis, et alors, c'est intéressant parce que Claude Régis figurerait sur cette liste parce qu'il est mort fin de l'année passée, il est mort fin 2019. Oups. Voilà. Et donc Claude Régis, en fait, c'est un metteur en scène qui travaille... Il vient du théâtre, surprenant. Ben oui. Qui travaille en fait beaucoup sur le silence, la lenteur, le peu de lumière. Par exemple, moi, j'ai minimalisme comme ça. Ouais, vraiment très très minimaliste. Et en fait, l'ordre des morts, ça fait partie de 4 ou 5 tomes qui sont un peu des carnets dans lesquels il a pris des notes un peu au hasard, quoi. Et donc c'est plein de choses justement sur tous ces sujets-là. Et je ne résiste pas à l'envie de vous en lire justement un petit passage. C'est la faute à Gérard. Alors, attention. Voilà, c'est ça. Donc, c'est parti. Ce podcast devient de plus en plus chelou, quoi. Avec c'est le signé, temps. C'est du PQ. Oui. J'avoue que c'est un détail que j'avais pas vraiment tilté et que les auditeurs. Putain, c'est le typo jusqu'au bout, quoi. Limite, c'est des feuilles d'épinards qu'il prend dans les sachets de. J'ai eu Claude Régis, mais c'était vraiment chiant. C'est parce qu'à l'époque, j'assumais pas de corder les pages. Et du coup, c'est pour ça que. Mais pourquoi du PQ, putain ? Je lis beaucoup à la toilette. Okay, ok. Donc. Chercher dans quelle partie de l'inconscient il faut d'abord se taire. Passer de l'immobilité au mouvement, ça peut se faire d'une manière transitoire, par un mouvement ralenti, qui fait d'ailleurs moins de bruit que l'agitation. Et en même temps, on s'aperçoit que le ralentissement est source d'immatérialité. Le silence agrandit l'espace. La lenteur aussi. Il y a peut-être un rapport silence-lenteur-espace. Peut-être s'agit-il d'une même matière. Ce serait fou de ne pas la montrer. Peut-être en la montrant, cette matière se trouve-t-elle inventée. Elle se met à exister. Simplement, elle n'a pas de nom. Eh bien, on va chercher cette matière, mais ce n'est pas au NARP qu'on va la trouver, parce qu'on est des malades. Non, c'est pas ça que je devais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un effet. Ouais. Arrêtez. Ok. Voilà, le silence ne sera pas trouvé chez nous. Attends. Ou alors dans les débuts d'impro un peu compliqués. C'est vrai qu'à Onarp, on pratique surtout le silence de la gêne. Le silence gêné. Manu aime bien ça, tiens. Oui, Manu est un fervent pratiquant de cette activité. C'est vrai. Alors, nous arrivons à la troisième improvisation de cet épisode, après cette lecture de passage. Et cette troisième improvisation nous est amenée par Hicham. Oui, exactement. Et cette improvisation sera une ambiance musicale live. J'ai ma petite guitare électrique. Parfait. Donc je vais vous faire une musique de fond qui va durer tout au long de votre improvisation et vous improviser avec ce que ça vous inspire. Voilà. Ça vous va ? Ouais. Formidable. Oh, parfait. Eh bien, c'est parti. Oh, t'as vu la grande là? Elle brille fort. Et là, la constellation à côté, c'est quoi son nom? Tu te souviens? C'est le scorpion. Bien joué. Bravo mon grand. Merci maman. Tu sais, Lucien, on va peut-être pas pouvoir toujours faire ça tous les jours, tu sais ça. Ah bon? C'est un peu comme les plaies, c'est un peu comme les cadeaux de Noël. Il faut prendre plaisir de les recevoir à Noël. Les nuits sous les étoiles, il faut les chérir parce que demain tu rentres chez ton père. Mais non, t'avais dit que je pouvais rester tout l'été ici. Oui, mais ça va être un peu compliqué, mon chéri. Mais chez papa, c'est tout petit et ça sent toujours mauvais et... Regarde celle-là, elle vient de passer. Tu l'as pas regardée, Lucien. Non.
très envie de regarder les étoiles, maman. Mais Lucien, faut pas être déçu comme ça. Je sais que papa, c'est peut-être pas, on voit peut-être pas les étoiles chez papa, mais chez papa, vous faites la cuisine. La cuisine, elle part. Regarde-moi, je sais à peine réchauffer une lasagne. Tu te souviens la dernière fois? Mais elles sont trop bonnes, tes lasagnes réchauffées, maman. Elles sont brûlées, ça donne le cancer. Arrête. Tu veux un câlin? Oui, je veux bien. Et viens. La prochaine fois qu'on regardera les étoiles, si tu veux, et j'essaierai de discuter avec ton père pour qu'il soit là. Ah ouais? Vous allez vous remettre ensemble avec papa? Non. Comme ça serait super. Non. Ah oui, alors, comme ça, il pourrait venir regarder les étoiles avec nous, et puis il pourrait faire à manger de la bonne cuisine, et puis comme ça, on serait bien. J'en discute. Mais il pourrait déjà venir demain, en fait, plutôt que moi j'aille chez lui. Si vous allez vous remettre ensemble, il pourrait venir ici, et puis comme ça, on serait tous ensemble. Je suis pas sûre que Leïla serait très d'accord. Ah oui, c'est vrai, Leïla. C'est pas grave. Il m'a déjà dit qu'avec Leïla, enfin parfois il avait plus envie d'être avec elle, alors il aura qu'à lui dire que c'est fini et qu'il revient avec toi et avec moi. Ah ouais, il a dit ça? Il a dit ça? Bah oui, et même que l'autre jour, quand je suis arrivé, il chantait, tu vois la chanson que tu chantes parfois. Celle où, quand tu l'as chantée, souvent après tu pleures, ce que tu dis que ça fait penser à votre mariage. Ah oui. Il l'a chantée en cuisinant. Il avait l'air content, lui, quand il l'a chantée. De la prochaine fois, si tu veux, je poserai la question à ton père. Ah ouais? Allez, viens là. Trop bien. Fin de l'impro. Trop mignon. Oh là là, qui sont mignons. Bringing family together. Mais oui, ah, et je on vais, ramène je... Leïla. A new form of family. Ah oui. For a new form of... Non, oui. For a new form of family, j'allais dire, mais c'est n'importe quoi. Et oui. Deux fois la même chose. Mm-hmm. C'est une tautologie, un peu comme dans l'impro. Oh là là. Bon, bah voilà. Eh ben, c'était cool. Merci, oui. Merci pour ce beau... Oui. Avec plaisir. Cette belle couverture audio. Merci. Tu sentais vraiment les vacances dans le sud, comme ça, tu vois? Oui, ça sentait bon, les vacances. Ouais. Je suis un peu nostalgique, là. Oui, on regarde par la fenêtre, il fait plutôt gris. Et voilà, on voit pas trop les étoiles. Et parce qu'il fait jour, ça. Ah oui. Ok, eh bien, nous arrivons au coup de cœur du jour. Et oui, alors, Ise, quel est ton coup de cœur du jour? Eh bien, mon coup de cœur du jour, c'est pour une très belle personne. C'est une modèle qui s'appelle Christiana, que vous pouvez trouver sur Instagram, entre autres. Et c'est une modèle qui n'est pas dans les standards de la beauté actuelle. Elle n'est ni forcément mince, ni forcément ronde, mais un peu entre les deux, comme ça. Et elle est du genre, justement, à défendre tous les types de corps. Et elle est l'organisatrice d'un défilé dans les rues, où elle invite des femmes... tout type de forme, tout type d'envie, tout type de corps, tout type de cheveux, tout type de couleur de peau qui puissent défiler et qu'on voit des vraies femmes un petit peu défiler en sous-vêtements dans la rue. Et vraiment, tu sens qu'elles prennent du montant. Et ça fait plaisir de voir des modèles différents de ce qu'on a. Et voilà, ça fait plaisir. Et mais il y a du mince comme du pas mince, du rond comme du pas rond, il y a de tout. Ça fait trop bien. Ouais, ça fait plaisir. Puis on est une fille de temps en temps. Je connais perso ce mood en tant que nana où tu te fais « je ne serai jamais bien ». Allez voir Christiana, je vous promets, ça redonne chaud au cœur. Ah bah tant mieux. Et bon, si ça peut te rassurer quelque part en tant que mec, souvent je me dis aussi genre « oh, père, je suis une grande perche trop maigre ». Et puis voilà, donc, mais tant mieux. Si elle organise à Bruxelles, on défile ensemble. Voilà. Sous-vêtements. Trop bien. Alors Hicham, quel est ton coup de cœur à toi? Mon coup de cœur du jour, c'est pour un album, enfin une artiste, mais un de ses albums en particulier, qui s'appelle Likely. Si vous connaissez, ouais. C'est plus particulièrement son dernier album qui s'appelle So Sad, So Sexy. Je pense qui résume bien l'ambiance de l'album. Likely, c'est un peu scandinave dépressive, comme ça,
qui a l'air légère. En tout cas, les deux premiers albums étaient assez légers comme ça, tout en étant à dire « Ah, je suis triste, ma tristesse, c'est mon mec ». Et ensuite, il y a un album qui s'appelle « I Never Alone », qui est un gros album de rupture. Une des chansons, c'est « I Will Never Love Again ». Enfin, ça a l'air d'être vraiment genre pire moment de sa vie. Et c'est vraiment genre de la déprime totale. Elle chante un peu comme ça. Enfin, c'est très bizarre. Et ensuite, c'est vraiment le gros drame, tu le sens. Et ensuite, il y a le suivant, là, donc, qui est So Sad, So Sexy, qui, je crois, résume bien son ambiance à cette meuf, qui est genre, elle toujours un peu comme ça. Et il y a un virage un peu, je sais pas, c'est pas mal influencé par du R&B, je trouve, dans les sons. Et je trouve que c'est son meilleur album. Il est vraiment ultra, ultra fin. Il y a plein une forte fausse joie dans la musique, mais qui est reflétée par une grosse mélancolie ou une sorte de fatalisme dans sa musique, dans les paroles notamment. Et c'est vachement bien, sa musique est vachement bien, cet album là. Bah, trop bien. Donc So Sad So Sexy de, c'est quoi le nom de Lee Kelly. Elle était connue pour I Follow Rivers, où il y avait un remix de son morceau qui était devenu ultra connu. Ok. Ouais. Follow. Nous ne pouvons pas le diffuser parce que sinon après nos vidéos se font défoncer sur YouTube. Oui. Donc non. De toute façon, toutes les infos seront en description du podcast si vous voulez aller écouter. Dans yes. Ce point, si les petits morceaux de d'Hicham vous ont satisfait. C'était un éternuement. Pardon. Ah, okay. Mais elle a fait le bruit à la fois d'une gerbille, d'un cheval et d'un phoque. On n'a jamais comparé. Bien, eh bien, mon coup de cœur à moi, c'est pour une émission télé qui passe notamment sur Netflix, même s'il n'y a pas toutes les saisons, c'est chiant, qui s'appelle RuPaul Drag Race. Ouais. Je me demandais quand est-ce que ça allait sortir, ouais, enfin. C'est comme un papier cadeau qui emballe un avion, mais tu vois bien que c'est un avion. Ouais, c'est ça. Tu le laisses dans le coin parce que tu as envie de le déballer en dernier. Donc c'est en fait un show de télé-réalité de drag queen, donc des hommes qui s'habillent en femmes et qui défilent en femmes. Et c'est dirigé par RuPaul, qui est lui-même une drag queen qui est modèle, donc qui est top modèle depuis un moment et qui a fait énormément de choses pour la communauté LGBT et maintenant pour la reconnaissance des drag queens. Et ce truc est vraiment génial parce que, moi en tout cas, ça m'a vraiment permis de prendre connaissance, parce que moi en tant que mec hétéro, pas vraiment versé dans la culture LGBT, ça m'a fait une super porte d'entrée, parce que je trouve que c'est à la fois très grand public, parce que c'est très bienveillant, c'est très drôle, c'est très accessible, et en même temps ça permet de se sensibiliser à plein de sujets, à plein de trucs, à voir en même temps tout un aspect que je trouve assez incroyable de ces mecs qui se transforment en nana, et du coup ça parle beaucoup des codes du genre, de qu'est-ce qui fait la masculinité, la féminité, et tout ça. Et justement c'est marrant parce qu'il y a plein de codes, genre il y a une saison, pour la première fois, il y a un gars qui défile avec une barbe et tous les juges sont un peu choqués. Et puis en fait, la saison d'après, ils font un épisode où la contrainte, c'est que tout le monde doit avoir une barbe. Et donc, tu sens que même eux, en interne, en fait, ils se posent des questions et ils font évoluer les limites et tout. Et donc, ça aussi, c'est super intéressant. Je vous conseille évidemment la saison 6, que d'ailleurs, j'ai revue il n'y a pas très longtemps, qui est une saison où il y a notamment deux candidates, Adore Delano et Bianca Del Rio, qui sont incroyables et qui sont vraiment géniales. Et de manière générale, c'est une très, 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 très chouette saison. Après, toutes les saisons sont bien, même si je trouve que récemment ça devient un peu plus des saisons avec des instagrammeuses qui ont des égos qui grossissent de plus en plus et oh, le côté on est joli et on le montre prend de plus en plus de place, et moi personnellement j'aime un peu moins ça. Quelle est l'objection d'Isa là-dessus? Oh, je sais pas, c'est vrai qu'en fait les dernières saisons c'est un peu les fans des premières saisons, vu que genre ouais, y a ça aussi, 12 saisons de ce truc. Ça la 12e est terminée. Ouais, je vous ai entendu avoir cette exacte discussion l'autre jour. Donc D'ailleurs, le final de la saison 12, ils étaient par webcam chacune chez elles. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais ça devait être chelou. C'était trop chouette. Parce que moi, j'ai eu des échos que c'était pas si bien. Mais bref, donc voilà. Donc, allez voir RuPaul Drag Race et allez aussi écouter RuPaul, parce que RuPaul, c'est aussi quelqu'un qui fait de la musique, mm-hmm, qui notamment a fait un duo hyper bien avec Todd Ricole, dont je vous parlais précédemment, et qui a plein de morceaux, notamment un morceau qui s'appelle Born Naked. Qui est incroyable, où son refrain c'est en gros c'est vrai, on est nu et tout le reste c'est du drag, donc tout le reste c'est du costume, de l'habillement, la performance de genre, exactement, de la performance de genre, et donc tout ça, mm-hmm, c'est formidable. Donc, allez regarder ça, allez écouter ça, ça fait du bien et en même temps c'est super rigolo, c'est pas un truc où vous allez et ils bitchent comme des
gros porc tout le temps. Donc si vous avez l'esprit un peu malveillant, il y a du drama et du pitching. Ça, j'avoue. Après, on peut essayer de pas regarder parce qu'il y a des épisodes spéciaux. Enfin bref, on s'en fout. Gardons ça. Parce qu'il y a des épisodes untuck. Oh non, on l'a lâché sur le sujet qu'il fallait pas lâcher. Oui, voilà. Ouais. Donc, porte ouverte. Donc, avant donc, de voilà, nous... j'avoue, comme ça, je fais. Tu vois, voilà ce que ça fait. Ok. Ok. Donc, avant de nous lâcher, un petit mot sur le Tipeee. Si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez le partager autour de vous, en parler à vos amis, à votre famille, à vos ennemis si vous n'aimez pas ce que vous avez écouté. Soit vous pouvez venir nous le dire dans des commentaires, dans des MP ou en chair et en os, parce qu'on adore que vous veniez nous parler de nos émissions, dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez qu'on fasse mieux la prochaine fois ou quoi. Et enfin, si vous en avez les moyens, vous pouvez nous donner un petit peu d'argent sur Tipeee. Vous pouvez donner à partir de 1 euro. Et nous, ça nous permet, grâce à cette cagnotte virtuelle, de rembourser le matériel super chouette qu'on a acheté, de nous défrayer, de défrayer les invités qui défilent tout au long de cette saison et de vous offrir du contenu toujours meilleur et accessible au plus grand nombre. Et ça, pour nous, c'est important à Onarp. Voilà, j'espère que vous avez passé 30 super minutes. Moi, c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Oui. Alors, à la semaine prochaine pour le retour d'Agnès Calvache dans On n'a rien préparé. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.